Salut à tous, c'est So, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans. Donc maximum de joyeux anniversaire dans les commentaires. Mais joyeux anniversaire là, sois poli s'il te plaît un minimum. Putain j'ai 22 ans, j'ai toujours pas de 911. Bientôt. Cette année c'est mon année. Cette année je casse tout, cette année on reste en silence. Cette année le succès se chargera du Moïse. 22 ans, il faut que je commence à être mature, faut que je commence à prendre des bonnes décisions. Et là, la première bonne décision que je vais prendre aujourd'hui, c'est d'apprendre à mon petit cousin à conduire. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais qu'une hâte, c'était de conduire. Lui, il a zéro hâte, il a pas envie de conduire. Mais faut lui apprendre à conduire, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pris la bonne 207 avec la bonne boîte manuelle. Donc là, on va aller le chercher. J'ai trop hâte de lui apprendre à conduire parce qu'il a jamais touché une voiture de sa vie. Donc bref, on va voir ça. Let's go. Regarde-moi l'artiste, là, il vient de se réveiller, ça dit quoi? Ça va tranquille? Ça va. Bon, mon gars, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah. Hein? C'est ta voiture. Ça va conduire, hein? Mais casser ta voiture. Regardez, est-ce qu'on dirait vraiment qu'il est mineur? C'est toi, mon daron, en fait. Mais oui. Tu vas apprendre à conduire sur ça. J'espère que t'es prêt. Ouais, t'inquiète. Tu connais un peu le principe de comment, genre, comment passer une vitesse? Comment. Non, chef. Je connais rien à ça. Ça va aller. Et aussi, je voulais te dire, le code, j'ai jamais rien fait. Ok. Non, mais crois pas, tu vas conduire sur la route aussi. Reste tranquille. On va trouver un petit parking et tu vas apprendre à conduire. Ok. J'ai anniversaire. C'est bien, mon gros. Un grand garçon. 22 ans, putain. C'est un daron. Sinon, chef, les études. Du coup, t'as jamais conduit, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Par contre, je t'ai prévu 2-3 petites choses quand même. Tu veux pas spoiler le programme? En fait, déjà, je vais pas spoil. Ok. Mais sache un truc, hein, c'est que peut-être la voiture va y rester. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok, mon gars. Faut que tu gères le bail. Ah bah, frérot, je dis, c'est la première fois que je conduis. De toute façon, on va y aller étape par étape. On a passé les meilleurs bruits, oui, mon gars. C'est exceptionnel. Franchement, masterclass. Du coup, là, on va commencer à investir, notamment dans un tripod, parce que là, je suis allé à Action, j'ai acheté un truc pour tenir le téléphone. C'est pour ça que ça vibre un peu. Mais vous inquiétez pas, bientôt le million. Ah ouais. Il faut être ambitieux dans la vie. Faut être ambitieux, t'as raison. Ouais, ben toi aussi tu fais la taille de Kobe Bryant. Mais. Kobe, c'était à 98 aussi? Oui. Oh ouais. Putain, j'aurais pu avoir une carrière dans le basket, quoi. Mais t'aurais pu avoir une carrière dans pas mal d'autres sports. Mais t'as préféré te lancer sur YouTube. Et après, c'est rien, tranquille. On espère qu'il perd. Faites les percées si vous voulez. Ah mec, t'as l'humour. Tes gros cheveux là. Et là, sinon, c'est pourquoi un changement de couple? Moi? Aux 100 000 abonnés, je me rase les cheveux. C'est vrai? Ouais. Moi je pense que cheveux rasés, il y a un délire. Non, moi je dis, faut vraiment que tu donnes un défi à faire pour les 100 000 abonnés. Parce que déjà là, t'es à mine. J'ai envie de tirer le gun et il me tabasse en live. Ok, on est arrivé au parking. Maintenant, première étape, on lui apprend à conduire. Moi je stresse là. Tu stresses pas, ça va aller. Ok. Assieds-toi. Oh les gars, je stresse de ouf. Commence pas à toucher à tout comme si tu savais à quoi ça. Mais toi aussi, ouais, je commence pas. Ok, mets les mains là, à 10h10. 10h10, c'est ici. T'imagines que c'est une horloge? 10h10. J'ai du mal avec l'heure. Donc là, t'appuies sur l'embrayage. Ok. Ce que tu vas faire, mon gars. Attends. Je t'explique la théorie. Tu vas pas démarrer. Si ça va pas, je. Truc. Ok. Les frères de base, je vais faire un basket. C'est lui, il a eu une idée farfelue comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est ma faute. Ton pied gauche, il va servir qu'à embrayer. Ok. C'est la seule utilité qu'il a. C'est appuyer, embrayer. Ok. Ton pied droit, il va accélérer et freiner. Okay. C'est tout. Ok. J'appuie fort sur l'embrayage. Ouais, tout le temps. Doucement sur le frein. C'est ça. Ok, je vais t'expliquer la théorie maintenant. Mais putain, mais tu crois que t'es Pythagore ou quoi? Petit flop. Là. Petit flop. Tu vas passer la première. Tu vas lâcher doucement l'embrayage. Et tu vas voir qu'en lâchant doucement l'embrayage, la voiture, elle va partir. Toute seule. Ok. Donc on est comme ça. Première. Voilà. Première. Et je relâche petit à petit. Voilà. C'est ça. Wesh. Ça mais non, mais là. Ah ouais, parce que. Parce que c'est pas démarré. Ok, t'as le pied sur l'embrayage. Donc tu peux passer là. Non. Tu. Ouais, t'inquiète, bon. Je sais. J'ai voilà. Pas oublié. Ok. Tranquille. T'as lâché le pied dans le rêve là? Non, j'ai tout lâché. Nickel. Tu vois comment c'est là? Ouais. Ok, accélère un peu.
arrête d'accélérer, freine, fiche embrayage, et tu freines doucement. Et voilà, tu t'es arrêté masterclass. C'est bon? C'est bon? On est ensemble, ok? Ok, maintenant, on recommence. C'est parti. Voilà. Tu vas aller à gauche. Fais gaffe au trottoir. Ok. Tout droit. Voilà. Tout droit. Un petit peu d'accélération. Ça fait mal. Doucement, parce qu'il y a une route là. Don't stress. À droite. Stop. Tantôt. Ok, là tu vas passer la deuxième. Ok. Accélère. Voilà. Voilà. Accélère. Embrayage. Accélère. Embrayage. Deuxième. Accélère. Voilà. Freine. Maintenant, freine, embrayage. Embrayage, reste embrayé. Point mort. Merde, j'arrive pas au bout. Voilà, c'est bon. Putain, j'ai du mal avec le point mort. T'as passé la deuxième là déjà. Ah, t'as vu comment on est allé un peu plus vite? Ouais, c'est bien, j'aime bien, ça facile. Ok. Là, tu vois en face de nous. Ok. Ah, tu vois le tour là? Tu vois l'arbre? Ouais. Tu vas faire le tour. Oh putain. Là, c'est complexe. C'est complexe. Mais c'est possible. Tu restes en 1. Ok, je reste en 1. Ok, bah oui, logique, je suis pas non. Ok, bon. T'es prêt? Bon. Allez. Tu vas aller tout droit. Ah, tout droit. Ouais, tranquille. Stresse pas, mon petit. Tranquille, j'ai dit. Je te stresse pas. Avance. Ok, embrayage. Deuxième. Accélère doucement. Voilà. Ok, nickel. Lâche embrayage. C'est bon, t'es parti là. T'es en deuxième là. Ok. Non, t'abuses là. Oh mince. T'es trop stressé, ça me fait trop. Je suis pas stressé. Mais d'un coup, tu vas. Moi, je suis stressé. Je suis pas stressé. J'ai lâché. Je suis pas stressé. Une mini accélération pour toi. Non mais pourtant, c'est pas une mini accélération. Oublie pas que. Là, tu vas. Ce qu'on va faire, c'est un exercice simple. Tu vas freiner et repartir. Oh wow. Il y avait une voiture. C'est toi qui m'as. Maintenant. Fait. Ça va? Ouais, ça va. J'ai bien fait. Alors, t'as bien fait, ouais. Ça aurait pu être plus doux, mais c'est le début. Ça va. Non, mais moi, je suis un mec, j'aime pas la douceur. T'as vu? Donc, tu vois, je vais montrer un peu comment on se passe sur eux parce que là, regardez. Vous voyez la voiture? Vous voyez le poteau? On a vraiment commencé de ce côté-là de la route. Hein. Il allait droit sur le poteau. J'ai maîtrisé tout. T'as rien maîtrisé. J'ai maîtrisé tout, héros. T'as rien maîtrisé du tout, qu'est-ce que tu me racontes? Mais les frères, je compte du mieux que lui, c'est officiel. L'année va dépasser le maître. Trop à l'aise. Donc là t'as tes mains à 10h10, ok. Voilà, donc là j'ai lâché embrayage. Ok, je suis comme toi là, je suis au même stade que toi. Là faut que ta vision, tu regardes où tu vas. Si je regarde le parking B3, en tournant le volant je vais vers le parking B3, ok. Là je tourne le volant et je regarde au milieu. Hop. Et mon volant instinctivement, je vais tourner mon volant instinctivement jusqu'à là où je regarde. D'accord. En fait, quand tu tournes, regarde là où tu veux aller et après quand tu vas tourner le volant soit à droite soit à gauche et que tu regardes là où tu veux aller, ça va suivre automatiquement. Exactement. Allez, ceinture. Non. T'as raison. Vas-y, on y va. Bon, bah. Je rigole. Ceinture. On se concentre. Vas-y. Là, on va mettre un peu en pratique tout ce qu'on a fait. Ok, les frères, c'est parti. Tu caches, je te claque. C'est bon? Non, pas une claque. Stresse pas, ça va. Un peu moins, un peu
t'inquiète, j'ai vu. Tout droit. Voilà, tranquille, à gauche. Voilà, tout droit. Tu veux passer une deuxième? Accélère. Ok. Là, ça va. Je gère, mais en fait, t'as trop peur. Vas-y, tu gères. Là, je vais aller me garer, je pense. Vas-y, essaye de te garer. Essaye de t'arrêter, tu sais faire. C'est l'embrayage qui est à fond. Tu freines doucement, tes fleurs. Je suis fier de toi. Bien joué. Maximum de likes pour le ref là. Parce que là, je suis fier de moi aussi. Là, franchement, t'as les bonnes bases. Maintenant, on va passer à la deuxième étape du plan. C'est quoi, chef? T'as faim? Vite fait, on va au drive. Wesh. Mais t'es fou ou quoi? Y'a des voitures. On va avoir un accident à cause de toi. Non, je suis chaud. On se retrouve au drive. Là, t'as le drive. C'est toi qui vas conduire. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit tour là-bas, là, pour que je te montre à quoi ça ressemble le drive. Et après, bah, tu vas gérer. Hein. Tu vas commencer à Mac Drive, ok? Tu commences ici, ok? Tu commences là. Ah là, vraiment Mac Drive. Ensuite, tu vas aller sur celui-là. Tu vas aller sur celui-là, pas celui-là, celui-là là-bas, ok? Celui-là. Ou... celui-là, là, là. Deuxième. Ok. Après, tu continues là, là. Là, tu prends bien le tour, ok? Tu fais gaffe, hein? Voilà, là. Tu prends, et là, c'est fin de ouf. Ici, c'est fin de ouf. Donc, tu fais attention, ok? Là, tu prends bien extérieur, mais là, ah ouais, je suis un zinzin, parce que là, tu vas devoir jouer avec l'embrayage et le frein. Tu vas pas lâcher. Et une fois que t'es là, tu t'engages et fin de l'histoire. Comment? Yes. Les gars, je sais pas ce que je fais. Hein. Ah, mais c'est la première fois que je conduis. Non, mais ça va aller. Si t'as peur, tu freines. Ok? Ok. T'es prêt? Première. Ok. Doucement. T'as peur, tu freines. Fais gaffe, t'as une barrière là-bas. Tranquille, t'as rien raté, t'inquiète. Tranquille. Ouais, mais tu peux aller tout droit. Va tout droit. Encore un peu. Mais ouais, c'est accélère encore un peu. Voilà, freine. Encore un peu. McDonald's, comment tu vas? Bonjour. C'est quoi? Ah, embrayage. Pardon. Bonjour. Oui. Vas-y, commande, vas-y. Je vais prendre un McFlurry. Ça va faire tout à l'essai tour ou quoi? Ça peut éviter d'avancer au prochain cliché pour l'encaissement. Ça marche. Là, regarde, première. Doucement. Tu vois la courbe, tu vas là où tu vas. Retour à droite. Tourne un peu à droite. Non, mais là, on met le volant droit. Là, doucement, c'est le plus dur. T'as peur, tu freines. Subhanallah. Remets le volant droit. Ça va aller. T'as fait le plus dur. T'as passé le virage. Là, c'est fini, c'est tout droit. Ok, doucement, freine. Ok, accélère encore un peu, embrayage. Ok, ça va aller. Elle a pas cramé que t'as pas le permis. Vas-y, freine. Ok, encore un petit peu. Attends. Ok, freine. Là, c'est bon là. Embrayage, passe le point mort. Voilà, tu gères. Bonjour. Bah, c'est pas ça marche, merci. Elle a rien cramé. Ouais, je pense. Hein. Elle a rien cramé. Après, qui peut cramer, quoi. Doucement. Qui peut cramer. Ok. Je stresse pas. Ouais. Moi, je suis serein. Moi, ça m'amuse. Ok. Tu redémarres, t'as calé. Quoi? C'est quoi cette voiture? T'as pas passé la première. Voilà. Et là, doucement, regarde. Faut juste que t'arrives au bon endroit. Fred. C'est bon là, c'est nickel. Passe l'embrayage. Hey, faut que tu mettes en point mort.
En embryon. Viens voir. Arrête, désolé. Ah. Ce qu'il faut que tu fasses, quand tu veux passer une vitesse, t'embraye. Ok? Ok? T'as calé, démarre. Tu vas là et tu t'arrêtes là où il y a drive. Bien sûr, je vais garer à côté de la Tesla. Yeah, tu vas te garer nulle part. Allez, on a chopé la commande. Hop, première. Voilà. Voilà, et vas-y, doucement. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit stage de conduite? Dis-moi ce que t'en as pensé. Bah, déjà, je trouve que j'ai un peu progressé. Maintenant, je maîtrise au moins les petites bases, quoi. Mm-hmm. Même si j'avoue, là-bas, en fait, je faisais que de caler. Mais sinon, soit partout, ça a passé. Ça a passé. Là, c'est parce que c'était vraiment une condition réelle. T'es un peu stressé, mais franchement, tu t'en es bien sorti, surtout sur le virage. Franchement, t'as vu comment tu t'es bien placé en vrai de vrai? Mais non, en fait, le truc difficile, j'ai réussi. Tout ce qui est facile, j'ai pas réussi. Moi, franchement, je trouve que tu t'en es bien sorti. Tu mérites ton petit McFlurry. Merci, mon gars. Combien sur 10 pour ce premier cours? 4. Première fois de ma vie? Ouais. T'es sérieux? 4 sur 10. Non, mais non, là, ta conduite a été 4 sur 10. Oh, t'abuses. Moi je trouve ça va déjà. Non, moi je pense franchement, sur une conduite globale, entre tous les conducteurs, je pense que t'as un 2 sur 10, 3 sur 10, parce que vraiment voilà quoi, tu fais un peu peur. Mais tu sais te placer sur la route, donc ça va. Après, pour une première fois, franchement, un bon 6 sur 10, 7 sur 10. Hein. Ah, pour une première parce fois. Parce que c'est allé vite, t'as appris vite, t'as été un peu alerte et tout, par contre, manque de concentration. Mais t'as rempli un bulletin de notes ou quoi là? Ben je suis. Non, franchement, en vrai, t'as géré. Franchement, je suis fier de toi. T'as vu maman, c'est trop facile. Non, il n'y a pas de facilité. Franchement, Tata, faut le mettre au cours là par contre. Parce que là, tu vois, j'ai bien voulu imprégner le bail, mais je pense là, il y a 40 heures de boulot minimum. Je fais une promesse dans cette vidéo. C'est quoi ton anniversaire? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est le jour des promesses pour moi. Moi, 25 avril. Ah ouais, non, c'est mort du coup. Ce que j'allais dire, avant ton anniversaire, si t'as ton permis, je t'offre une voiture. Genre jamais avant. Ok. Mais l'année d'après. Tu l'as. Ok. Tu l'as ton permis cette année en 2023. Je t'achète ta première voiture. En 2023? Ouais. T'as ton permis en 2023, je t'achète ta première voiture. Mais c'est chiant en 2023 de l'avoir. Ça veut dire qu'il faut que ça commence l'été. Hein. Non, c'est chaud, tu m'as acheté une vraie voiture. Une vraie voiture. Une voiture qui roule quoi. Ça va? C'est bon? Je suis d'accord. Mais... Vous l'avez vu ici. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros like et à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez le revoir dans une vidéo, n'hésitez pas, vous me le dites. Et puis, je trouverai de toute façon des idées encore plus farfelues pour l'amener ici. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. C'était So et à Noir. On est ensemble. La bise, les frères. Ciao, les gars.